aussi la porte d'entrée la plus grand public pour la réalité virtuelle. Positionner le PlayStation VR sur soi est très simple. En plus, le système d'accroche est vraiment très confortable et même avec mes lunettes, je peux le porter. Comme pour Oculus Rift, les accessoires sont essentiels. Le PlayStation Eye va vous positionner dans l'espace. Le PlayStation Move va vous permettre d'interagir avec l'environnement. Par exemple, vous voulez changer d'arme, il suffit de positionner le flingue sur son épaule. Attention, quand on joue debout, l'oreille interne a parfois du mal à s'adapter à ce que l'œil voit, ce qui entraîne une légère nausée. Cela est rare, mais cela peut arriver. Par contre, en position assise, aucun problème, comme dans Drive Club. Oh putain, le mur. C'est l'idée, c'est qu'il faut quand même se concentrer sur la conduite. Parce qu'on se laisse très très facilement déconcentrer. Alors oui, Oculus Rift offre une bien meilleure qualité d'affichage, mais il est aussi deux fois plus cher, et je ne parle pas du PC à 1 500 € qu'on doit lui coller derrière. Ici, l'expérience est accessible financièrement, l'immersion est vraiment impressionnante, le rendu graphique très convaincant, et surtout, à la différence d'Oculus Rift, encore une fois, nous allons avoir une cinquantaine de jeux à la sortie, dont de véritables blockbusters.